Du livre d'Isaïe. Le Seigneur aura pitié de Jacob. Il réinstallera Israël sur son sol. L'étranger se joindra à nous pour s'associer à la maison de Jacob. La maison d'Israël les assujettira sur le sol du Seigneur pour en faire des esclaves et des servants. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te soulagera de ta souffrance, de tes tourments et de la servitude à laquelle tu étais asservi, tu entonneras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras comment a fini le tyran, comment a fini son arrogance. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le sceptre des souverains, lui qui rouait de coups les peuples. Toute la terre repose dans le calme, on pousse des cris de joie, les cyprès même se réjouissent. Depuis que tu t'es couché, on ne monte plus pour nous abattre. En bas, le Sheol a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il a réveillé pour toi les hommes, tous les potentats de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ton faste a été précipité au Sheol. Sous toi s'est formé un matelas de vermine. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au très haut. Ceux qui t'aperçoivent te considèrent, ils fixent leur regard sur toi. Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Tous les rois, les nations, tous reposent avec honneur. Toi, on t'a jeté hors de ton sépulcre, au milieu des gens massacrés, jeté sur les pierres de la fosse comme une charogne foulée aux pieds. Plus jamais on ne prononcera le nom de la race des méchants. Préparez le massacre de ses fils pour la faute de leur père, qu'ils ne se lèvent plus pour conquérir la terre et couvrir de ville la face du monde. Thank you.
Commentaire de Zèbre de Césarée sur Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit les sentiers de notre Dieu. Cette parole montre clairement que les événements prophétisés ne se produiront pas à Jérusalem, mais au désert. C'est là que la gloire du Seigneur apparaîtra et que toute chair aura connaissance du salut de Dieu. Et c'est ce qui s'est accompli réellement et littéralement lorsque Jean-Baptiste proclama dans le désert du Jourdain que le salut de Dieu se manifesterait, car c'est là que le salut de Dieu est apparu. En effet, le Christ, avec sa gloire, s'est fait connaître à tous. Lorsqu'il eut été baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous la forme d'une colombe, il demeura. Et la voix du Père le rendit témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le prophète parlait ainsi parce que Dieu devait résider dans le désert, qui est inaccessible au monde. Toutes les nations païennes étaient désertées par la connaissance de Dieu. Et toutes étaient inaccessibles aux justes et aux prophètes de Dieu. C'est pour cela que cette voix ordonne de préparer le chemin au Verbe de Dieu et de rendre unie la route inaccessible et raboteuse, afin que notre Dieu, en venant résider chez nous, puisse y avancer. Préparer le chemin du Seigneur, c'est la prédication évangélique et la nouvelle consolation qui souhaite que le salut de Dieu vienne à la connaissance de tous les hommes. Monte sur nos hautes montagnes, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Ces paroles s'accordent tout à fait avec le sens de celles qui ont précédé. Et elles ont raison de mentionner les évangélistes, les porteurs de la bonne nouvelle, car elles annoncent aux hommes la bonne nouvelle de l'avènement de Dieu, après avoir parlé de la voix qui crie dans le désert. En effet, la parole concernant les évangélistes du Sauveur vient à la suite de la prophétie concernant Jean-Baptiste.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Homélie de saint Bède le Vénérable. Si nous cherchons pourquoi Jean baptisé, lui dont le baptême ne pouvait pas remettre les péchés, la raison en est claire. C'est que pour être fidèle à son ministère de précurseur, il devait baptiser avant le Seigneur, de même qu'il était né avant lui. Lui qui prêchait avant lui et qui mourait avant lui. En même temps, c'était empêché dans le cas où le Seigneur aurait le premier donné le baptême aux hommes, que la querelle envieuse des pharisiens et des scribes n'ait prise sur son ministère. S'il voulait lui demander par quel pouvoir il baptisait, il s'entendrait aussitôt répliquer « Le baptême de Jean ». D'où venait-il, du ciel ou des hommes? Ainsi, comme il n'oserait pas nier qu'il vienne du ciel, il serait contraint de reconnaître que les œuvres de celui que Jean prêchait étaient elles aussi accomplies par un pouvoir venant du ciel. Cependant, si le baptême de Jean ne remettait pas les péchés, il n'en était pas pour autant sans fruit pour ceux qui le recevaient. En effet, bien qu'il ne fût pas donné pour la rémission des péchés, il l'était cependant comme signe de foi et de repentir, c'est-à-dire qu'il leur rappelait que tous devraient, du fait de cette initiation, s'abstenir du péché, pratiquer l'aumône, croire au Christ, et se hâter d'aller vers son baptême, dès qu'il paraîtrait, afin d'y être lavé pour la rémission de leurs péchés. Mais pourquoi est-ce dans le désert que Jean donne son baptême et annonce celui du Christ,
plutôt qu'il y passe dès l'enfance toute sa vie. Il convenait que le maître de doctrine appuya par ses exemples ce qu'il prêchait par ses paroles, que celui qui persuadait à ses auditeurs de se repentir de leurs péchés se tint éloigné des vices de ceux qui pêchent, non seulement par la pureté de son âme, mais encore par la situation elle-même de son corps. Par ailleurs, typologiquement, le désert où Jean demeurait représente la vie des saints, coupée des plaisirs de ce monde, qu'ils vivent en solitaire ou mêlés aux foules. Sans cesse, ils tentent de toute leur âme à mépriser les désirs du siècle présent. Ils trouvent leur joie de s'attacher qu'à Dieu, dans le secret de leur cœur, et à ne mettre qu'en lui leur espérance. C'est vers cette solitude de l'âme, si chère à Dieu, que le prophète, avec le secours de l'Esprit-Saint, désirait aller, disant: qui me donnera les ailes de la colombe pour que je m'envole et repose? Et se félicitant de l'avoir bientôt trouvé, grâce au secours de Dieu, il ajoute, comme défiant les attaches des désirs terrestres: voilà, j'ai fui au loin et je demeure dans la solitude. Thank you.
Amen.